Et les gars, on continue avec une petite instru. Donc sur les pionniers HP à 900. À prendre, tu vois, les instruments sont moins détourés. Pour moi, c'est une réussite quand même chez Pioneer, ces enceintes-là. Elles ont vraiment de très belles qualités acoustiques. Vraiment, c'est très très bon. Sinon, ouais, après, en termes de. Comment dire. Bon, mis à part médium aigu, tout ça. Après, au niveau du boomer de grave, j'aurais tendance à penser que celui de la HPM 110 est donc plus tendu avec. Enfin, il est plus tendu. Je me comprends, en fait je pense qu'elle peut accepter plus de puissance, voilà, que comparé à sa copine la HPM 200. Bon, après ça c'est juste par rapport au fait comment je vois la membrane se déplacer. Je me dis qu'elles doivent mieux encaisser la puissance les HPM 110, voilà. Mais bon, après c'est juste un petit détail, hein.